Salutations, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, tranquille, on est de nouveau avec Ghost. Oula, charge-toi les textures. Charge-toi la texture pour la suite de Grounded qu'on a commencé tout à l'heure. Alors, effectivement, les textures ne chargent pas. Ah oui, c'est bon, ça charge. Ça charge un peu, ça a mis un peu de temps. Mais... Du coup, la mission aujourd'hui, c'est de de niquer les coccinelles le plus possible. Oui, voilà, pour se faire la tenue intégrale. Voilà. Et ensuite, de toute façon, pour faire la tenue intégrale, il nous faudra après des baies, donc on va aller maxer les coccinelles. Alors attends, je vérifie juste que j'ai parce de la bouffe. Parce que en termes de trucs de coccinelles, on a que 6 carapaces en fait. 6 bouts de coccinelles, on a que 6 bouts de coccinelles. Ouais, parce qu'attends, on va faire le compte, fabriquer. Si je vais dans équipement de l'établi et que je regarde. Masque de coccinelle. Je vais prendre une feuille et on va faire ça bien. Alors, il faut une tête de coccinelle. Alors, attends, je fais le masque. Donc, il faut une tête. Voilà, une tête. Il faut deux bouts de coccinelle et trois cuirs. Trois cuirs, 2B. Voilà, 2B, 3 cuirs. Ensuite, pour le plastron. Ouais. Pour le plastron, il faut deux pétales de fleurs. 4 okay. bouts de coccinelle. 4 bouts. Et 4 cuirs de baie. Et enfin les jambières. Et les jambières, 5 bouts de coccinelle, 4 cuirs de baie et 4 pétales de fleurs. 4 pétales de fleurs. Voilà. Et 4 cuirs de baie. En somme, c'est vraiment les bouts de coccinelle qui importent quoi. Bah là pour le coup, ouais. Et dans la catégorie armes Ah non, on peut faire des flèches à appât. Mais j'ai vu justement, en off, j'ai vu un gameplay d'un français pour montrer comment essayer d'avoir le plus facilement, par exemple, des gros araignées. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fabrique des pièges à appât. Ouais. Il les pose dans une zone pas trop ou à proximité par exemple d'une canette parce que dans les canettes ouais. les ennemis peuvent pas t'attaquer. Ouais. Il met deux pièges à appât parce qu'il dit l'insecte peut venir péter au moins l'un des pièges mais au moins le deuxième marchera. Ce que tu fais c'est tu mets les pièges à appât à proximité de la canette. Oui. Tu vas par exemple chercher une araignée, tu l'attaques. Ouais. Elle te vient, salut Romain. L'araignée va venir t'agresser et tu cours jusque jusqu'à ce qu'elle te suive et qu'elle arrive au niveau du piège à appât. Tu te mets dans la canette et il va attaquer le piège à appât. Et même si tu lui mets 50 000 flèches, par contre c'est ça le truc, c'est que lui il le fait aux flèches uniquement. Et ça met un peu de temps ouais. Et donc faut bien prévoir le nombre de flèches. Mais au moins comme ça jamais l'insecte va venir se replonger vers lui. Et il fait ça avec les coccinelles, les bombardiers, etc. Donc à voir s'il faudra faire cette technique. Ouais, ça c'est un peu long quand même à mettre en place. C'est un peu long à mettre en place, certes. Surtout, justement, je voulais regarder ça. C'est pour faire un piège à appât, il faut. C'est très faisable. Il faut 4 pétales de fleurs et 4 branchettes. On a combien de pétales de fleurs dans le coffre? On en a 10 et 6. Ouais, il en faudrait plus quand même. Ouais. Écoute, on va aller. Comme toujours, le ghost il part sans moi. Non, je suis juste à côté. Ne partez pas sans moi. Voilà. Je suis juste à côté. Du coup, vas-y, je te suis. Du coup, vas-y. Ah, j'ai plus d'eau. J'ai plus de problème. Bon, alors attends, j'ai pas d'eau. T'as pas d'eau. Mais bois une goutte. Il doit y avoir des gouttes quelque part. Je me demande, quand t'as plus de faim, tu perds la santé, on continue ou c'est comment? Non, je crois que tu subis plus de dégâts, sans doute. Non, je sais pas, je sais rien. Ah, c'est une chair de moucheron cru. Putain, mais moi je crois que c'était un truc qui était cuit. Alors attends, inventaire. Ah bah là, il y a à boire. Hop. Il y a de l'eau pâté. Tu veux de l'eau? Non, c'est bon, j'ai plus de l'eau croupie. Du coup, on va zigouiller la coccinelle. Bon, ça c'est le principal, voilà. Alors, on avait dormi ici là. Coccinelle, nel. La petite coccinelle, elle est où? J'ai trouvé de la. Putain, cette zone à chaque fois, je sais qu'il y a une araignée dans le coin, du coup.
J'ai trouvé de la chair de charançon. Ouais, il y a une araignée dans le coin ici. Bon, là il y a la fourmilière, mais ça serait bien aussi qu'on aille dans la fourmilière. Ouais. Vas-y, le mec. Ouais. On ira. On ira. Ah putain, j'ai pas fait mes touches. J'ai pas fait ma config. Mon marteau, il est où? Il est là. Alors la coccinelle, petite coccinelle, où es-tu petite coccinelle? T'en étais pas loin de marée, va voir où t'es. Ouais, les smoothies c'est vraiment... ça remplit pas du tout l'estomac. Non, ça remplit rien. Alors la coccinelle, normalement, elle est dans le coin. Je récupère de la bouffe parce que je vais avoir faim là bientôt. Alors la coccinelle n'est pas là. La coccinelle n'est pas là. Bah elle était là. Tiens, loupé. Elle était là normalement. Ouais, je sais pas pourquoi elle est pas là. Elle a peut-être bougé, hein. Ça se trouve. Par là, il y a plus des araignées. Mais Après, au niveau des, du champ, au niveau des champs, il y en a une. Ça, c'est sûr. Et elle est partie où encore? Là-haut. Je vais regarder de l'autre côté, voir. Si je la trouve pas. Allez. Tu as trouvé? Non. Je te suis. Il y a des coques de gland. Ah ouais, on peut parer les coups de la coccinelle quand elle nous fonce dessus? Oui, bah j'ai vu le mec faire un bon gameplay quand même. Au moment même où l'ennemi veut porter le coup, il fait moi c'est LT du coup. Mais quand il part au bon moment, tu peux faire un petit compte, ça peut un peu la déstabiliser. D'accord. Ah non, mais ça c'est le bunker, ok. Putain, mais où est-ce qu'on va? À chaque fois on se perd. Bah je suis en train de chercher, je suis au niveau des champignons. Mais où est-ce qu'elles sont? Elles sont pas enfuies quand même. Bon, ramassons des là il y a une toile d'araignée, donc je suppose qu'il y a une araignée pas loin. Je suppose, hein. C'est qu'une supposition. Voilà, il y a une toile d'araignée. Il y a des nids d'araignées, ouais. Des nids, aïe. Ça veut dire qu'il y en a des petits. Oula, il y a plein de... Bah dis donc, elles sont énervées les fourmis là contre les charançons. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de... Même l'araignée, je la vois même pas. Ah si, elle est là-bas. Ok. Donc la coccinelle doit être par là-bas, je pense. Vers la maison bleue. Dans la maison bleue. Je pense parce que la dernière fois que je l'ai vu, elle était là-bas. Qui regardait Tibère et la Maison Bleue sur France 5 à l'époque? Oh, pas du tout. C'était je sympa, c'était un truc pour gamins avec des marionnettes. T'avais un gros nounours et il vivait dans une grande maison bleue. Là t'as une araignée, ouais. C'est dingue ça. Où est-ce qu'elle va être là? Alors là, je vois pas du tout. Ouais, bah putain, elles sont dit, bon les gars, apparemment ils vont nous rusher. Venez, on se casse. C'est ça. Putain, autant les fourmis soldats, on en a plein la dernière fois, mais là des coccinelles. Ouais. Ouais, bah pour sûr, il y en a une dans les champs, au niveau des champs, mais At least it's clean. Ouais, c'est vraiment le smoothie, c'est que la flotte. Il y a une canette là-bas là si tu veux boire. Non, la flotte, je suis bon, je suis plein là. Ah bon? Ouais, je suis juste, là. C'est juste la bouffe qu'il me faut. Ah ouais, j'ai à manger si tu veux. Tu veux du gland? Bah ouais, parce que j'ai pas du tout de gland, je crois. Alors attends, tiens.
Ah, j'ai que dalle. Ah, mam. J'ai l'impression d'être tic-tac. Good thing I'm hungry. Bah, vu mon poids, je serais plus tic. Tac, quand même. Là, il est puceron avec les acariens, ouais. Putain, mais où est-ce qu'elle est cette foutue. Mais ouais, j'avoue, c'est où ça. Oh, t'es bas. Une punaise. Ah, oh non, une punaise. On peut se la faire si on met le Mac, un masque à gaz. J'ai sur moi le masque à gaz, mais. Vas-y, moi je l'ai équipé, c'est bon. Tu me dis, hein. Bon, ben écoute. C'est pas le faire, c'était pas le blanc. Attends. Elle se bat contre une. Oh là là. Ah, mais les bruits. Fais gaffe parce qu'il y a l'araignée qui est derrière aussi. Oh, les buggy, attends. Ça. Ah oui. Araignée. Ah, elle vient en plus vers nous. Oh yes, on va l'avoir. La punaise c'est une chose, par contre l'araignée, attention. L'araignée, on peut se la faire, on peut se la faire. Attends, je ramasse. T'as ramassé les bouts de punaise ou pas? T'as ramassé les bouts de punaise? J'ai ramassé un bout de punaise, je crois, ouais. Fais gaffe parce qu'il y en a deux dans le coin alors. Ouais, on se casse. Ouais, c'est barré. Ouais, ça vaut pas le coup. Il y avait pas de coccinelle, par contre j'ai eu des bouts de punaise, ouais, effectivement. Je sais plus qu'est-ce qu'on peut faire avec des bouts de punaise. J'ai chopé une glande de punaise et 4 bouts de punaise. Mais on en avait déjà tué une punaise ou pas, toi? Ouais. Ok. Là, il manquait vraiment, c'était la coccinelle, quoi, ouais. Pour faire la tenue. Ah, elle est là, c'est bon. Taïo! À l'assaut! What the? Attention! Aïe! Attention! Tiens, dans le cul! Ah! Alors ça fait quoi maintenant? Tiens, j'aime bien, et la fourmi elle est là! Eh, je vais le dire, hein! Je vais le dire à ma maman que vous avez défoncé ma copine! Ouais. Donc là, on a eu quoi? 4 bouts de coccinelle. Ok, donc on peut déjà faire un plastron. Et toi, une tête de coccinelle. Donc la tête, le plastron, ok. Bah on peut continuer à... Ouais. Parce que toi t'as la combinaison complète, on est d'accord. Non, moi il manque les jambières. Ah, il te manque les jambières, donc toi il t'en faudra encore 5 bouts. Oh putain, 5 bouts, oh la vache. Non, ça va le faire. Et je regarde, hé, l'arme quand même, elle résiste, hein. Ah bah oui, ça va, elle est balèze. Et de la fourmi, ouais. Bon, on en a une là. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une autre. Aussi près. Tu me diras, on a fait quoi? Tout à l'heure, elle avait respawn, je crois. Mm. Mais pas trop longtemps après. Et de la sève. La sève, ça sert à quoi? Ça, c'est pour les lampes torches. Mais non, la sève, mais c'est ce qui est l'élément principal pour faire nos bandages. Ah. Tu fais plein de trucs avec la sève aussi. Ah oui. Pour faire des torches, parce que moi j'aimerais bien. Les torches, il te faut le truc d'axolis. Mais non, il faut. Le truc à l'oxygène là. Oh. Ah, la torche de myxomycète, tu parles. Voilà. Bah, il faut pied de myxomycète avec de la fibre végétale. Voilà, pas compliqué. Ok. Parce que dans l'eau, il peut y avoir des trucs intéressants aussi. Je regarde si la coccinelle elle est pas respawn. Les pucerons, ils ont fait caca par terre, du coup moi je les mange. Hein? tu manges des excréments? Oui, des excréments de pucerons. D'accord. Eh oui. C'est pas mauvais du tout. Bon, allez là la coccinelle, montre-toi. T'as déjà vu des tétards? Non. Non. Il y a une grenouille qui fait qui vient souvent dans chez mon père. Très sympa, très gentil. Viens ici, toi. Putain, y a pas beaucoup de coccinelles. Hein. Ouais, c'est marrant. Hein. Elles sont passées le mot. Bah après, il y en a une pour sûr au niveau du champ là-bas, des champs. Vers notre maison, en fait, en gros. La coccinelle des champs. Ouais.
parti où? Moi je suis encore du côté où on était là. Ah oui, d'accord. Parce qu'il n'y a plus de coccinelle là-bas. Je retourne à la Casa Blanche. Merde. La gourde. Ah oui, merde, j'aurais dû récupérer. Oh, j'y pense jamais à ça. À récupérer les gouttes? Ouais. Mais pense bien que dans le réservoir, c'est les gouttes de la même chose. Donc là, c'est de la rosée qu'il faut. Tu peux pas mettre genre rosée plus. Plus jus de fruits, quoi. D'accord. C'est bon à savoir. J'arrive. What? T'as vu quoi? Oh, je t'ai vu, toi. C'est quoi ce machin? Oh, je sais pas d'où il sort, mais... Une larve. Ah, oh, c'est dégueu quand ça, ça pisse. C'est dégueulasse. Hop. L'inventaire plein. Oh, merde. Ah, des acariens. Oh, merde. Ah, ils sont arrivés avec la famille. Quoi? Wesh. Ils sont arrivés avec toute la famille. De quoi, des larves? Ah oui. Ah, viens. Ah. Hé, laissez mon pote. Voilà, de une. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, dommage que je peux pas t-bag. Et maintenant qu'on a un gros gourdin qui est bien mal, maintenant on a plus peur, hein. Ouais, par contre j'ai pris des dégâts. Putain la vache. T'as pas des bandages? Si j'en ai. Bah pense à les utiliser, profites-en. Mais en fait je suis content, le gourdin il tient. Ah bon, on a une maison là, d'accord. Ah bah c'est la maison orange. Bah c'est pas ça qui est... C'est pas elle qui est normalement à côté? Oui, des plans d'eau, les marécages là où je dis. Oui, c'est là, puisque c'est la deuxième abri qu'on avait trouvé. Qu'on s'était dit, on ferait un deuxième abri ici. Ah oui. Putain, y'a quoi là-haut là? Ah, c'est des champotes. D'ailleurs, okay. Faire un petit établi ici serait pas mal. Une canette, ouais. Je vais manger. Bah y'a pas de coccinelle dans les environs, malheureusement, y'a une araignée. Oh mais y'a que des araignées dans ce jeu de merde. Bah c'est vrai qu'il y a beaucoup d'araignées, hein. C'est vraiment c'est un jardin de merde. Des points SB dans le coin si tu veux. Ouais bah c'est... Faut aller dans le... Dans la tanière de l'araignée, ah, elle est là l'araignée. La saloperie là. Putain, j'ai tellement envie de me la farcir là. Attention, elle nous a vu, je crois. Je sais pas si mon arme elle sera. Des bébés araignées. Ah, bien joué ça. Ah, j'ai plus d'espace dans mon inventaire, comment ça se fait? Bah, t'as plein de trucs. Ah, le nid d'acarien. Je vais aller déposer des trucs à la. À la planque. Hop là, attention, ouais. Je suis de cet avis aussi. Ah, attends, je crois que j'ai vu une coccinelle. Ah non, c'est des champignons. Il y a une coccinelle par là, là, sur la gauche, là, mais je sais pas. Je sais plus. Mais c'est mignon ces fleurs-là. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Ok. Je sais, alors, je fais bien balavoine, ouais. Je vais larguer tout ce que j'ai. Alors, cuisinons mon petit charançon. Parce que mine de rien, les charançons ça nourrit bien. Y'en a pas d'autres d'ailleurs? Non, non, y'en a pas. Alors, j'ai un pissenlit que je vais laisser là, le pissenlit. Ah mais le pissenlit, ah ouais. Le pissenlit, il prend un truc de place. Ah la merde. Ah c'est la merde.
La merde. De la corde. Voilà, on fait cuire plein de trucs. Les lunettes d'asticot. Une paire de lunettes en plein de... Elle augmente l'endurance maximale. Ah. Ah d'accord, donc la panoplie asticot, elle augmente l'endurance. Ouais, c'est que y en a certains qui ont leur spécialité. I have limits. Or I guess I thought I did. OK. Je voulais laisser quoi? Ah, des glandes. Hyperactivité. OK, ouais. Fais voir l'OS état mutation. Ah, j'ai déverrouillé une mutation. Abreuvage, tu es un vrai rat de bibliothèque et tu ne saurais résister à un bon pavé de texte. Et lire la composition de toutes ces boissons ne peut que te faire du bien. Ah ouais? Je peux pas l'activer? On peut activer que 3 mutations? Ouais, à la fois. Ah merde. Peut-être que plus tard on pourra en avoir plusieurs. Mais pour l'heure c'est vraiment comme des points de compétences pour choisir. Sens de l'orientation, les méandres de ta mémoire cartographie chaque creux, chaque boss et chaque sentier. J'ai l'impression, quand même, quand tu ramasses les fibres végétales dans l'abri, t'as l'impression de ramasser les mauvaises herbes de ton jardin. Tu traverses la boue et les mauvaises herbes plus rapidement qu'avant, d'accord? Ouais, c'est pour courir plus vite quoi, en gros. Ok. Bah, je serais d'avis d'enlever le lancier parce que du coup j'utilise plus la lance. Et ça, du coup, ça fait quoi? Activer. Inventaire. Ça fait quoi? Formule mémorisée. Nourriture humaine. What? De quoi? Nourriture humaine. J'ai une recette, je sais pas ce que c'est. Pour faire de la bouffe humaine. Nourriture humaine. Un smoothie. D'accord. Nourriture humaine. Et ouais. Attends, mais c'est un bug ou je suis con là? Attends. J'avais 3 mandibules de fourmis en dessous des 3 autres mandibules de fourmis. Je clique dessus pour l'assembler avec l'autre, tu sais, pour qu'il y en ait 6. Ouais. Et les 3 mandibules de fourmis que je mets dessus, elles disparaissent. Pour moi, c'est un bug. Ça doit être un bug hein, parce que. C'est possible. C'est pas logique. Le quarry de ce jeu, je le garde. Le corde en soie, j'en ai pas besoin. Je laisse les épines larvaires. Hop là. Bah là, ça s'assemble, épines larvaires, tu vois. Oui, ça va jusqu'à 10, mais des fois, ça va plus. Ah non, c'est bon, ça a mis du temps à charger, c'est tout. Okay. De la sève, ouais. Donc la sève, c'est pratique, ouais. Ah bah oui, c'est bien pratique. C'est bien pratique. Ouais, bah je vais en prendre juste 10 alors. Par contre, les pétales, c'est où déjà? Les pétales, c'est dans le coffre de droite. Mais en vrai, il y a des trucs, je vais les garder là parce que. Ah, j'ai une idée. Choke it down, Pete. Oh, it's worse than Dad's Brussels sprouts. Faut de la sève, des touffes d'herbes sèches, des branchettes, ok. Encore des fourmis qui viennent. Non, c'est bon. Oh, c'est cuit! Merde. Alors. Il va falloir goumer de l'araignée. Mais aussi. Des coccinelles. Surtout des coccinelles. Ça serait bien que t'aies ta panoplie coccinelle. Mais il y avait des coccinelles ici. Attends, je suis sûr qu'il y en a une ici là. C'est obligé, j'en ai croisé une la dernière fois. Là, il y a une punaise, ouais. Bah avec les punaises, on fait fabriquer quoi? Ah, c'est marrant ça. Alors, fabrication.
Outils, la bombe. Faut de la moisissure. On a de la moisissure? Oui. Ah oui, il y en a dans le coffre de droite. Donc faut de l'herbe sèche. Tu vas dégager, moucheron de merde. Viens là, je vais te faire ta peau. Inventaire plein. Bon, karma. Faut de l'herbe sèche. Il faut quoi pour faire des bombes? Je sais pas. Herbe sèche et... Ah, les œufs de fourmis, putain, c'est vrai. Faut qu'on aille dans la tanière de fourmis là, mais faut que je me fasse une torche. Là, j'ai mis deux petites lampes à l'extérieur, ça coûte quand même assez cher les lampes à faire. J'ai les mis cordes, deux lampes à l'extérieur, je me suis dit on peut faire des lampes pour essayer d'utiliser notamment les touffes d'herbe sèche chez les branchettes parce que ça consomme pas mal. 2 3 fabriquer. Outils, une torche, il faut... Ah putain, il faut deux cordes, t'es sérieux? 1, 2, 3. I mean, this is probably what bottled water is. Alors, outils, torche. Et après, il faut deux branchettes. Voilà. Je vais pouvoir me la faire là, non? Fabriquer, inventaire. Ah bah voilà. Ok, c'est bon. Ah non, mais dans le noir c'est fou la lumière. Tu peux venir avec moi? Attends. Pourquoi je peux pas le fixer là? Je peux le fixer où? Ah bah c'est notre point de spawn ça. Merde. T'es où là? Je suis à l'extérieur, attends. Voilà. Je mets les lumières à l'extérieur. C'est plus rassurant. Ah. Faudrait qu'on aille dans la fourmilière chercher des œufs de fourmis pour faire des bombes. Bon bah faisons dodo. Qu'est-ce que je te dise moi, tu veux des œufs? Oh. Tu veux des œufs? Moi je veux je veux des morceaux de baie alors. Ouais, il faut aussi des coccinelles, ouais. Des coccinelles. Ouais, on est en train de. Oui, pense à. Alors la fourmilière elle est là-bas. Elle partage. Ah je te jure. Bon. T'es prêt? On va voir. Attention, ça va chier. C'est très chiant quand même le système de fait que tu perds de la flotte dans la nuit et de la bouffe pareil. Ouais, c'est un peu chiant, ouais. Elle est là la fourmilière. Parce que tu te fais chier à boire pour remplir. Il va y avoir des soldats. Ouais, bah là. Oh, bah, ils sont là. Ah, inventaire plein déjà. T'as ramassé ce qu'il faut? Wow! J'ai... J'ai une fourmi qui a volé! Vas-y, rentre dedans! Rentre dedans! Ah! Vas-y, rentre dedans! Rentre dans la tanière! T'es sérieux? Faut prendre les œufs! Faut prendre les œufs! Ah merde, je t'ai tapé, désolé! Ouais, t'inquiète, t'inquiète! Vas-y, je couvre tes arrières! Aïe! Attention, ils arrivent! À la queue le le. À la queue le le. Putain, c'est chaud mon gars, c'est très chaud. What? Elle est cassée. De quoi? Je vais mourir. Ça continue comme ça, je vais mourir. Elle est cassée. Qu'est-ce qui est cassé? Ma masse, ma massue.
Ton truc de... que tu t'es fait chier à fabriquer? T'es un mec, on va crever, on va tellement crever. J'ai plus de bouffe moi. Ah oh, ouais, ouais, vas-y, 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 moi je... On a vu trop gros. On rentre. Putain, mais tout à l'heure en plus... détecté Fourminator. Ouais, j'ai eu la même chose. Mais mec, c'est chaud parce que... Merde, la maison. Eh ben. C'est chaud parce que j'ai vu une fourmi qui a volé dans les airs. Ah, j'ai cassé ma... Ah, mais attends, c'est... Ah non, je crois que c'était une allumette. Putain, je suis deck, ça s'est cassé. Ton gourdin insecte, il s'est pété. Ouais. Et comment il a pu se péter? Bah je l'ai cassé, il a dû se casser. Mais hé, vous faites quoi là, madame? Non mais, on va vous apprendre à vous infiltrer chez les humains comme ça. Putain, en plus j'ai la dalle. Ah oui, tu perds un petit peu de santé quand t'as faim. Ouais, bah j'ai vu que j'étais en santé critique à un moment donné, donc je me suis dit, oula, faut que je me casse. J'ai faim. J'ai pas de bouffe. Rôti de charançon, c'est bon, c'est cuit. Voilà. Je peux avoir à bouffer? Tiens, je te donne un rôti de puceron, tiens. Merci. Donc il me faut. Putain, il faut que je refasse un gourdin. Mais non. Mais comment ça se fait que c'est pété? Parce que moi, il est pas encore pété. Attends, fais voir Fourminator, ah, c'est quoi? Ah, mais non, je sais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a alors? Je l'ai jeté. Putain, je suis vraiment un enculé. J'espère que tu l'as pas lâché dans la fourmilière. Parce que là... Si, je l'ai lâché dans la fourmilière. Putain. Bon, attends, file-moi. Voilà, il me faut une tête. Ensuite, il me faut quoi? Il me faut deux cordes. On en a des cordes? Oui. Oui. Tiens, je t'en lâche deux par terre. Voilà. Vas-y, donne. Merci. Quoi? Ingrédients manquants. Il manque quoi? Ah oui, non, mais ça se fait. Ça, oui, non, mais c'est normal, ça se fait ici. Je suis d'avis de faire un autre coffre parce que là je trouve on est déjà. Putain, je mais fais pas la même bêtise que Ghost enfin! T'allais jeter un truc non? J'ai jeté mon gourdin par terre! Non, sérieux? Non, non, mais c'est bon, j'ai récupéré, ah. C'est juste là, c'est juste. Je me suis dit, fais pas la même connerie quoi! Je vais refaire un autre coffre parce que. Ah, c'est 4 qu'il en faut! Comment on fait pour récupérer Ah oui, ok. Alors, qu'est-ce que je vais ranger ici? Ouais, c'est un peu chiant du coup là. Faut vraiment qu'on ait du stuff amélioré. Mais du coup, c'est quoi la mutation là? C'est à mon oh, avis. Oh putain, oui. À force de les affronter, les fourmis n'ont plus aucun secret sur toi. Hein, quoi? À force de les affronter, les fourmis n'ont plus aucun secret sur toi. Et leurs entrailles n'ont plus d'ailleurs. Malheur à celles qui oseraient se perdre sur ta route. En gros, t'es tueur de fourmis professionnel. Ah ouais, on tue les fourmis plus facilement? Sûrement, ouais. Écoute, je vais enlever le breuvage et je vais niquer de la fourmi là. Tac tac, réparer. Fourminator. A force de les affronter, les fourmis n'ont plus aucun secret sur toi. Ah non, c'est de l'armure qu'il faut pour ça, putain. Et leurs entrailles non plus d'ailleurs. Malheur à celles qui oseraient se mettre sur ta route. En gros, tu ferais plus de dégâts contre les fourmis? Bah, si, ouais, c'est ça. Ok, bah attends, je vais tester ça. On va tester. Oh les fourmis! Mais qu'il est fou! Il est fou le. Ah, elle est là-bas la fourmilière! Eh venez! Eh venez!
Il a pas retenu la leçon. Allez là, bande de nuls. Oula, ils reviennent à fond. Oula là 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 là, oula oula, elles sont pleines, elles sont nombreuses. Effectivement, on leur fait plus de dégâts. Tac, tac. On récupère. Tête de fourmi, c'est toujours utile. Aïe. Aïe, j'ai pris cher. Allez, on y va. C'est parti, cette fois on y va. Putain, t'es fou mon gars, t'es flou d'afflelou. Ah, je peux pas équiper Ah, mutation détectée, accro de cardio, niveau 2. Ça c'est moi ça. Ah oui, elle est là ma masse, elle est là. Attends. Question, tu veux une lanterne ou pas? Enfin, est-ce qu'on mettrait pas une petite lanterne? Bah en fait moi ce que j'aimerais bien c'est utiliser en plus. Ah mais c'est vrai que c'est une arme à deux mains, j'avais oublié. Ouais vas-y mets une lanterne si tu veux. Pourquoi je peux pas la poser? Elle est là, il est là mon gourdin. Je peux pas poser la lanterne. Vous êtes sérieux? Ouais. On peut pas se mettre une lanterne. C'est bizarre. Parce que là c'est chiant, ça va être très chiant. Vu que c'est une arme à deux mains et qu'on peut pas mettre une autre. Bon, je récupère ton gourdin fourmi là. Ouais. Bon, attention. Ah, du quartzite. Ouais, mais non, ouais, attention. T'es chaud, toi. Allez, quoi, ramasse. Faut mettre la concentration hein, pour se défendre. Attention. Attends, oh putain, y'a deux chemins. Ah non, y'a plus que ça. Y'en a un. Non, y'a du quartzite. Putain, j'ai. Ah, je suis pas serein dans ces zones. C'est bizarre, y a pas de fourmis. Attends, on les a pas toutes butées, c'est pas possible. Bah non, on a fui. Oh, j'ai l'inventaire plein. Voilà pourquoi fallait pas que je prenne du quartz. Bah, on va s'enfoncer un peu plus dans les. Regarde. Ah, y'a de la bouffe là. Ouais, mais attends. La bouffe. Fais gaffe. J'aime bien ton perso, c'est comme s'il allait glisser et tomber. DSB dans le coin, sûrement. Je sais pas où je vais. Oh là là, j'aime pas ça. Ah, mais non, mais moi je. Ah, ah c'est bon. Ah, tous les poils partout, ça me démange. Ah, ils sont là, les larves. Yes. Comment on fait pour les. Oui. Œuf de fourmi. Attends, elles sont où? Y'a le bruit des. Elles vont arriver, attention. Oh, y'a un trou. Elles vont arriver. Sinon, il y aurait pas le bruit du combat pour rien. T'es sûr? Bah, pourquoi ils mettraient le bruit du combat alors qu'il y a que des œufs? J'ai chopé un œuf. Salut Kylian, comment vas-tu? Bah, écoute, on est bien dans les galeries des fourmis. On est pile poil dans la galerie d'une fourmilière. On a chopé un œuf. J'ai les poils qui s'irritent parce que ça me dégoûte, mais. Tiens, jambière, abeille pourrissante. Oh, quoi? Ouais. Hein? Il y avait des jambières. Attends. D'abeilles. Attends. Ça veut dire qu'on peut tuer des abeilles? Bah, plus tard, peut-être dans le jeu, ouais, ils vont peut-être rajouter des abeilles. C'est chelou, attends. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de. On les a pas tous tués tout à l'heure? Scab. Oh, une nouvelle couleur de scab, ok. Néo move. Ouais. Cours. Attention. Attends, pas trop. On sait pas où on va là. Ouais, là. Mais c'est louche. C'est très louche. Ah non, il n'y a pas d'œuf. Merde! Y'a pas d'œuf! Y'a pas de gnagnef! Putain, masque d'abeille pourrissante! Putain, mais y'a. Attends, y a mais. C'est une tenue cachée ou quoi? On dirait bien! Fais voir, elle fait quoi là? Alors, un masque plutôt intimidant, si vieux qu'il en est. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, faudrait que je remette ce masque là. Voilà. Plus de protection quand même que le masque. Ah non, d'accord, ok, c'est pas la plus tanky, mais c'est pour augmenter ton. Ton endurance, enfin ton marathon, genre tu. Tu ah bah c'est comme l'armure de quoi donc de l'araignée. Alors oh putain la vache on est où là? Faudra pas s'y perdre. Et ramasse non, pas de quartzite, ça c'est mort. Moi j'ai plus de place de façon dans l'inventaire. Ouais bah on va éviter. Mais c'est dingue ça. Mais attends mais on s'enfonce où? Je sais pas du tout. Ah bah si on est arrivé de là. Ah oui je vois ce que tu veux dire.
Ah oui, bah attends, du coup, attends. Attends, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Déjà, ok. Mais c'est dingue. Faut aller là-dedans. Oh non, c'est mort, mais on sait même pas où ça va amener. Oui. Hey, tu veux pas mettre ton masque de coccinelle, ça te protégera mieux que ton masque à gaz. Ah oui, merde, j'avais pas vu que je l'avais encore. Ouais, j'ai pensé tout à l'heure. Oh putain. Moi je dis faudrait y aller en vrai. Mais peut-être pas. Peut-être. Parce que j'ai presque plus d'eau moi alors. Mais moi j'ai bientôt plus de lumière en fait. Bah je peux te passer ma lampe torche, mais après pareil, quand tu l'utiliseras j'aurai plus de lumière après. Ouais, vas-y, attends, on va se refaire des lampes torches. De toute façon, faut analyser l'œuf déjà. Ouais. Calmons-nous. Ouais, voilà. Je rappelle qu'à la base, on devait encore se faire des coccinelles et trouver des baies. On va y aller étape par étape. Ça, je prends. Hop, on va faire cuire. Ah, elles sont là. T'es prêt? Va falloir foncer. Hein. Putain, elles ont repop à l'entrée, quoi, comme par hasard. Attends, dors. Elles vont se réveiller, tu vas voir. Ah non, attends, mais c'est les ouvrières elles sont pas agressives de nature, je crois. C'est pas par là où on est arrivé. On va où là? Allez, maintenant, le piège va se refermer sur nous. Mais on dis va... pas qu'on retourne en bas. Bah attends, mais on va où là? Attends, t'allèles pas trop avec ta lumière. On va où? Gauche ou droite? À gauche. Ok. C'est comme dans ton jeu de Nalbuck. Ça tourne à droite. Et alors? Bah ça tourne encore à droite. Bah continue, allez tout droit. Attends, t'as pas vu un truc violet? Oui, j'y vais là, je vais la récupérer. Ok, attends, vas-y, je te suis. Oh putain de merde. Que la lumière soit! Bon, on est arrivé là, ok. D'accord. C'est où la sortie? On est pris au piège. Attends, ah d'accord, on est revenu. Ok, on est revenu, ok, donc faut prendre le chemin là. Ouais. Ok. Putain de merde. On va y arriver. J'ai bientôt plus de lumière. Hein. Je te passe la lampe torche. Alors surtout, n'attaque pas. C'est les ouvrières. Voilà, les ouvrières. Par contre, c'est après, c'est à la sortie. Ouais, c'est à la sortie, il y a les soldats normalement. Parasite. 3, 2, 1. Fight! Attends, pas encore. Fight! Attends encore un peu. Pas fight? Attends encore un peu. Attends, je prends ma masse là. Ah, c'est bon! Bon, bah nickel! Bon. Oh, bon, voilà! Eh, hey, mais c'est. Vas-y, je suis limite déçu, c'était plus dur de rentrer dedans que de fouiller dedans. Vas-y, je suis choqué. Bah du coup j'ai débloqué, enfin on a trouvé, en plus c'est des tenues niveau 2. Alors j'ai juste la jambière et juste le masque, donc il manque le plastron qu'on n'a pas trouvé. Le rôdeur à fausse machin. Ouais, marathon, en gros ça augmente la vitesse de sprint. Je vais aller analyser la larve du coup. Ouais. Putain, c'est tellement puceron bien. Quand ça se passe comme ça, c'est tellement bien. Ah, j'ai plus de place dans l'inventaire. What, c'est quoi ça? Œuf de fourmi. Ah, il va éclore. Quoi? Il y a une espèce de temporisation dessus. Oh, arrête. Ah, mais le jeu, tu sens qu'ils ont plein d'idées. Ils ont tout mis d'un coup. Un œuf de fourmi prêt à éclore empêche les œufs d'insectes d'éclore en les détruisant directement sur place ou depuis ton inventaire une fois ramassé. Ah putain, c'est à dire que... Ah ouais, mais quoi? Mais comment veux-tu crafter une bombe? Parce que... Vite, donne-moi de la moisissure. Il m'en faut deux. Deux moisissures. C'est où? Attends, Ah, attends. Tac. C'est où la moisissure? Attends. Ah, je t'en donne là. Là? Par terre, tac. Combien il t'en faut là? Ah bah c'est bon. Ah, une. Alors, tac. Fabriqué. Merguez explosive. Quand même le nom, merguez explosive. Et ça fait quoi merguez? Une saucisse explosive bourrée d'herbes sèches et de moisissures hautement instable, capable de tout détruire dans un périmètre restreint. Ok. Analyse-le, tiens.
Là, je peux pas. Tu peux pas analyser la merguez. Non. D'accord. Je ne peux pas. Okay. Je ne peux pas. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'une saucisse explosif, bourrée d'herbes sèches et de moisissures hautement instables, capable de tout détruire dans un périmètre restreint. Je suis sûr qu'en vrai, ça c'est super pratique contre les. Les araignées. Les gros mobs, pardon. At least it's clean. Attends, y'a combien de flottes là-dedans? Il reste un fond. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Mais attends, mais ça met 3 heures à cuisiner le machin, c'est quoi ce bordel? Je vais finir par bouffer des champignons, hein. Mais comment ça se fait que ça met autant de temps à cuisiner? Worse than my mom's Brussels sprouts. Ouais, c'est chelou. J'ai soif maintenant. Bah tu vois le dernier ce qui y a plus rien normalement dans la réserve maintenant. Ouais. Bah maintenant il y a plus rien. Ouais. On va où maintenant? Faut zigouiller de l'araignée. Non mais lui. On s'occupe de mes coccinelles ou on s'occupe des araignées? Non, c'est ça. C'est... Faut savoir mon ami. Faudrait savoir. Faudrait savoir, putain, casse les couilles. Ah non mais je déteste les gens que ça part, hein. Non, on va chercher la coccinelle, il faut que t'aies la tenue coccinelle, et moi aussi d'ailleurs. Bah d'ailleurs, est-ce que je peux me faire les jambières là? Avec ce qu'on a là. Comme ça, moi au moins c'est fait. Ah non, il faut de la baie. Il faut de la baie. Eh viens, on va chercher des baies. Oui, alors attends. Parce que là, j'en oui, oui, alors attends, vous cassez les couilles. Un coup oui, un coup non, voilà, voilà. Voilà, on va, putain, pète les couilles. Alors... Je ramasse ça, j'ai combien? J'ai de la sève, ok. Je vais me refaire des bandages parce que mine de rien c'est pratique. Il me faut une torche. Ah non, c'est la fille végétale, à chaque fois je me fais avoir. Deux branchettes. Alors il me faut 4 branchettes et 4 cordes. Les cordes t'en as dans le coffre de droite. Pourquoi il y a des flèches là? Je sais pas. Ah bah attends, bah il y a des toiles. Il y a des toiles. 4 cordes et. Ah là là. Il va falloir que je refasse un épisode pour brancher tout ça. Sont les branchettes? Faudrait qu'on fasse une poubelle ou quelque chose pour recycler parce que là on a des haches et tout, mais ça sert à rien vu qu'on peut faire les réparations. Ouais, produit des fleurs dont les abeilles raffolent. Je suis sûr qu'on peut attirer des abeilles. Je sais pas pourquoi. Bah ouais, sûrement. Il me faut des branchettes. Est-ce que tu aurais des branchettes? Bombe, attends, bombe à fil piège. Toucher le fil fait exploser 2 bombes. Celles-ci ne sont pas incluses. Dans les pièges, il faut de la corde en soie et 2 morceaux de fourmis. Ah putain, avec les merguez explosifs, tu les assembles ensemble avec. Tu les rajoutes sur une bombe à fil piège. Ouais, on peut tendre un piège. Un câble de long en long et quand les insectes se prennent dedans, ça explose. Il me faut des... Niam. Il me faut des branchettes là. Oh, il y a de la mouche là. Ah, branchette. Ouais. Comment ça, inventaire plein? Oh, vous me pétez les couilles. Ah mais ça, l'inventaire, ouais, mais c'est fou comment il se remplit. Pour aller balayer les couches d'essence à tout ça là-dedans, j'ai fait un deuxième coffre pour pas faire chier. Ah, je te jure, trop de trucs qui servent à rien. Le fil de soie, j'en ai pas besoin. Le cône, j'en ai pas besoin. Le quartz, j'en ai pas besoin à l'heure actuelle, puisque j'ai tout qui est bien. Je vais juste prévoir. Les tenues, c'est où déjà? C'est dans le coffre de gauche, hein, tout coffre à gauche, de gauche, ouais, coffre de gauche. Je veux juste une torche. Je vais me fabriquer encore une torche. Parce que ma torche aussi va arriver à son terme. Il faut 2 branchettes, 2 sèves. Non, 2 branchettes, une sève, une corde de corde alimentaire, tout de branchettes. Blablabla. Eh mais on a bientôt plus de place dans le coffre là. Ah ouais, mais j'ai fait un deuxième coffre. Mais pourquoi on a des outils? Mais ça c'était au tout début quand on... Moi à l'époque je savais pas qu'on pouvait réparer les armes, du coup on en avait en trop, c'est pour ça. Ah, faut les virer. Ben tu veux qu'on les fout tout, on va les jeter dans la nature comme ça? Pollueur. Pollueur. Non mais attends, c'est quoi ce mec? Non, mais il respecte pas la nature, qui lui donne l'eau, l'air qu'il respire. Non mais à partir de là, voilà quoi.
des branchettes. Et un moucheron, enfin un puceron qui va crever. Pourquoi si j'ai des mandibules de fourmi, moi? Putain, j'ai loupé le puceron. Pourquoi t'as des mandibules de fourmis? Mais peut-être parce que t'as niqué la race, leur race à 10 fourmis tout à l'heure. T'as niqué la race à 3 ou 4 fourmis tout à l'heure. Putain, il a niqué leur race. Putain. Ah non, mais de toute façon, faut regarder. On a été mis dans ce jardin pour détruire la biodiversité quand même. Pas fou. Je sais même pas c'est quoi l'intérêt de cette expérience. Très bonne question. Alors il me faut. Ah putain. Oh tout dé. Quoi? Et des sèmes. Oh ma man. Hey ma man. Ça m'énerve ma man. Herbe sèche. La branchette d'épineuse fait voir la lance. De la sève, je veux, s'il vous plaît, de la sève. Ah bah la branchette d'épineuse, elle pourrait être c'est carrément mieux en fait. Bon. Le gourdin il s'utilise à deux mains, mais c'est la hache, je crois, qui s'utilise à une main. À une main, ouais. Je crois. Bon, j'ai fait. Tu en veux une torche? Ouais. Bah, tu viendras la chercher. Oh. Dans le coffre de gauche. D'accord. Bon. Il me faut des torches. Je vais jeter tout ça. Tu portes ta torche à moi. À moi. Il me faut. Qu'est-ce qu'il me fallait pour ma torche? Ah, il me fallait la touffe d'herbe sèche, on en a? Non, faut aller en rechercher là. J'ai tout utilisé pour refaire des torches. Oh l'enfoiré. Bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, bah, c'est comme ça, bah oui, hein. Et l'autre il laisse les portes ouvertes. Voilà, je suis revenu au point de départ. J'ai entendu taper juste de là où je suis, hein. Bon alors ça. J'ai un petit ping. Ça. Pas bien méchant, ça, mais j'ai ça. Un petit ping. C'est bon, j'ai pas jeté ce qu'il me faut. Si, attends, il y a ça. Ouais, j'ai encore ce qu'il me faut. Ouais, t'es sérieux ça. Là? Ah ouais. Ah c'est ça là-bas. Je vais récupérer de la sève d'ailleurs. Normalement il y a de la sève. Ok, c'est bon. Ok. J'ai 3 torches. Ah, t'as refait de la torche en plus? D'accord. Oui, au cas où, on sait jamais. Ouais, parce que c'est vraiment les seuls outils vraiment qui disparaissent au fur et à mesure. Donc... Ah! It's trap, man! No! Bon, est-ce qu'on n'irait pas à la chasse? Pas de nuit. Bah, si, les coccinelles elles dorment la nuit. Viens, je jure qu'elle a repop celle qui est à côté de l'arbre. Ou sinon, il y en a une là-bas, là. Là où tu vas, là. Où ça? Mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a tout ça? Mais regarde, il y a plein de trucs en bas, là. Quoi? Mais non, mais ça, c'est ce que j'ai viré. T'occupes pas. Ah, d'accord, ok. C'est les outils qu'on avait en trop, je les ai virés. C'est bon, ça prend de la place dans le coffre pour rien. Moi aussi, ça me casse la gueule. Alors, je croyais qu'il fallait pas polluer. C'est vrai qu'il fallait pas polluer. Bah ouais. Purée. Ah, comme dirait Mister MV, ne traînons pas avec des détails. C'est quoi ça là-bas? Je vois pas. Ah, des chardons, une punaise.
Ah tiens, là on va pouvoir choper de la moisissure. Ah. Ah, les insectes maudits, kamikaze. N'empêche, c'est bien. J'ai soif. Encore. Putain, mais je bois ça. Il se consomme trop vite son eau là, c'est chiant. Elle est où la putain de coccinelle là? Je sais pas, les coccinelles elles sont parties dans un autre pays. Mais j'ai su, et je te suis en plus. Ah. Oh, il y a trois punaises là-bas. Bah, skip 4. Il y en a 4. Viens. Ouais, mais non, j'ai pas d'endurance à cause de la flotte là donc. T'as soif? Ouais. Bah trouve une goutte. T'as soif? Bah tu te démerdes. Ouais. Bah tu trouves une goutte au niveau de... de l'herbe. Bah forcément. Bah forcément, pas forcément hein, c'est... Ah par contre y'a de la sève, ça je veux bien. Quelle est là la fourmilière? Ouais mais putain mais il est ch... Elle est juste là la fourmi. Tiens y'a de l'eau là. C'est celle-là. Tiens, là, pâté. Merci. Merci bien. Je crois que j'ai même pas récupéré les... Non, j'ai pas. Si, j'ai les champignons. Good thing I'm hungry. Mange, warin. mange. Warin. Bah ben, warin. Light. Burn back the shadows and turn away the inky depths of the night. Y'a pas une araignée par là normalement? Non! Arrête! Dis pas ça! T'as encore ton masque. Ah oui, c'est vrai. J'ai ton mis. Parce que dans ma tête, je me suis dit peut-être qu'il va vouloir les attaquer, les punaises. Ou alors, elle est où la putain de coccinelle à la con? Mais ouais, mais c'est dingue ça, y'a aucune coccinelle! Mais si, forcément. Y'en a eu une seule! Même pas? Attends. Je me rappelle même pas si on en a tué nos gens. Y'a une araignée, fais gaffe. Nom de Dieu. Et la coccinelle, elle est au niveau de la maison bleue ou du bunker vert. Putain, mais là, il y a un escargot aussi. On peut rien faire avec l'escargot, là? Non. C'est juste en déco, là, pour l'instant. Il y a une araignée, là? Arrête. Elle est juste à côté de la maison, en plus. Oh, arrête. Ah, elle est bloquée dans le caillou. Je te vois venir. Elle est bloquée dans le caillou, frère. Je te vois venir. Elle est bloquée dans le caillou, frère. Si tu y vas. Oh, je t'ai bloqué. Si tu y vas, je t'arrache les couilles avec le truc insecte. OMG, les couilles. Pourquoi les couilles? Toujours les couilles. Allez, viens. Je sais que c'est par là. Je la sens. Elle est là-bas. Elle était là. Elle était là. Il y a une coccinelle par là. C'est dingue. Oh, y a dingue. De l'eau. J'ai soif. Don't even need to boil it. Par là. Suis-moi. Les fourmis. Ouais. Les fourmis qui butent un charançon, si tu veux. Non. Là, il y a de la sève. Ouais, on s'en bat les couilles. Oh, mais moi, j'aime bien la sève. Ah, par contre. Les miellettes pucerons, je prends. Coccinelle! Oui, tu. Viens voir papa. Bon, elle est forcément quelque part. Hein. Putain, mais c'est dingue! On l'a eu là la dernière fois. Mais oui, c'est ça qui est dingue! Alors, à moins. Qu'est-ce spawn dès le matin. Oh nom de Dieu. Better than starving, I think. Salut les pucerons. Putain, les miellettes pucerons, ça redonne de la vie, c'est cool. Ah bah oui. Attends, je les mange pas cru. Si. Je croyais que cru ça. Ça non, les miellas de pucerons, pas les pucerons.
Les miellas de pucerons, c'est les petits. Les. Leurs caca, si tu veux. Enfin, je crois que c'est leur petit caca. Parce qu'en vrai, c'est tout petit. Hein. Putain, j'ai envie d'aller là-dedans. Là. Oh là, hein. Mais il a envie de plein de trucs, il va se foutre dans la merde à chaque fois. Bon, allez, la coccinelle là, putain! Il y a les toiles d'araignée en bas à droite. Ah ouais? Pour moi, c'est une toile d'araignée. Ah non, pardon, c'est quoi ça? C'est... Tu vois les petites bulles là? Hein? Ouais, petite bulle, c'est tétard. Ou c'est peut-être le poisson. Je vois pas. Et les petites bulles. Bon, bah la coccinelle, c'est une fuge. Ouais. Ah, c'est quoi ça? Encore? Ah, oh, miellat de puceron. Miellat de puceron, bah oui, c'est du miel. Mais du miel de puceron. Donc, c'est bien le caca des pucerons. Je suis pas con. Enfin, pas encore. Bah alors là! C'est dingue! Bon, bah, je crois qu'il va falloir les faire respawn. On va faire dodo. Et on va faire la coupure. Hein. Ça fait déjà une heure. Ouais, autant la faire du coup. Ouais. Ah, oh, je suis deg. On a pas fait grand chose à part aller dans la fourmilière. Ouais, c'était intéressant quand même. Bah, ouais. Oh, oui, une goutte d'eau. Mais je vais pas là-bas, ouais, je vais la ramasser et je la mettrai au réservoir. Putain, c'est insane ça. Mais oh, je suis sûr qu'il y en a une, mais elle dort quelque part là. Je suis sûr qu'elle doit dormir quelque part. Qu'est-ce qui me court après là? Obligé. Ah, c'est quoi ça? Un champignon? Ouais. Toi aussi t'as cru que c'était une coccinelle? De loin. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y en a une pas loin. Bah, mais je sais pas là. Ils sont mis en grève! Aïe! Ça fait mal? Un peu. Moi je rentre à la maison. Ouais. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Moi je cherche, je suis sûr qu'elle est pas loin. Je suis où là? Je suis au niveau du télescope. Je suis au niveau d'un télescope. D'ailleurs, il y a quoi en dessous de celui-là là? Parce que c'est vrai que celui-là, on n'a jamais été. Hein. De quoi? Le télescope qui est là là. Allez là! Je l'ai trouvé! Oh! Je l'ai trouvé, elle est là. Oh oui. Oh, viens là, ma copine. Pile poil, j'étais en train de checker le télescope, je fais... Putain, mais c'est vrai qu'on a jamais visité ici. Et là, qu'est-ce que je vois? Bim. La petite coccinelle qui dort. J'ai préparé mon plus beau gourdin pour toi. Attends. Oh tiens, là, deux secondes, je bois juste une goutte d'eau. Voilà, je suis bien vas-y, en forme. Vas-y, moi, j'attends, je l'ai pas attaqué, elle dort. Ouh, ça va faire mal. Putain, désolé hein, mais on va ruiner ton réveil. Désolé. C'est ce qui s'appelle. C'est un contre-coeur, mais. Taïa. Attention, tranquille. C'est comme ça qu'on a réveillé Mesrin. Salut, c'est la BAC, enfoiré. Allez, 4 bouts de coccinelle. Ah, c'est salaud parce que il t'en manque un. Il t'en manque un pour te faire tes jambières. Pourquoi? C'est parce qu'il te fallait faire de quoi faire des jambières. Ouais, il manque mais 5 bouts. Sais pas combien. Il te manquait 5 bouts de coccinelle. Et là, on en a ramassé 4. Ah oui, mais c'est tout le temps par 4. Ah, je savais pas. Mais ce qui me dérange un peu, c'est... Ah bah voilà, bah là on a un labo. Ouais. Et un endroit pour dormir ici sur le rouge, je sais que c'est là qu'on a le... Oui, l'abri. On a un abri.
Et ben on va pouvoir se reposer ici et faire une petite coupure comme ça. Oui. Sur ce, on store ici. On sauvegarde et bah on va enchaîner en vrai, parce que en vrai ça me ferait chier d'arrêter là, d'essayer de dire on part sur Satisfactory, là on va continuer jusqu'à ce que j'ai de quoi faire la panoplie coccinelle. Je n'arrête pas tant que j'ai pas la panoplie coccinelle, je le dis. Oh mais ça va être long, hein. Ça va être je m'en fous. Fallait pas me lancer là-dedans. Parce que ça me frustre de pas y arriver quoi. Mais c'est surtout qu'il faut te protéger en fait, faut que t'aies de quoi te protéger. Ouais. Qu'est-ce que t'as à nous mater, toi ? Fais gaffe, fais gaffe. Du coup, on fait une coupure et on se retrouve dans moins de 2-3 minutes, chers amis. Allez, salutations.